l'homme, mais il n'est rien sans la femme. Comme nous l'avons fait, marque nos propres réticences à l'émancipation. Il est vrai que pour réussir et se battre en politique, il faut être prête à sacrifier sa féminité, puisqu'il faut être prête à combattre, triompher, faire montre de puissance. Il faut s'autoriser à dominer l'autre publiquement. Se passer de son assentiment. Il faut exercer le pouvoir frontalement, sans minauder, ni s'excuser, car rares sont les concurrents qui vous féliciteront de les battre. L'Assemblée des femmes d'Aristophane fait l'hypothèse joyeuse d'un coup d'État féministe. Hé, hey, j'en ai une belle, hein ? Oui, on dirait Émile Zola. Non, on dirait Épicrate. À l'aube, des femmes parées de barbe, vêtues de manteaux et de souliers dérobés à leurs maris, sont réunies pour se rendre à l'Assemblée du peuple des hommes et y faire adopter la décision de confier le pouvoir exclusivement aux femmes. Allez, citoyennes, en avant à l'Assemblée nationale ! Au matin, des hommes s'éveillent, contraints pour sortir de chez eux, de se vêtir des tuniques de leurs époux. Pour moi, la question de la place des femmes dans nos sociétés, c'est un sujet sérieux, réel. On a beaucoup de retard en France, il y a beaucoup de freins à l'accession des femmes au pouvoir, et c'est vrai que l'aborder à travers l'humour, l'ironie, la comédie, permet de dire des choses qui sont extrêmement radicales. L'Assemblée, il fut un temps, messieurs, où nous la délaissions totalement. Mais du moins, nous étions d'accord sur la canaillerie de notre président. Les commissaires avaient mis à l'ordre du jour un débat sur la sauvegarde de l'État. D'emblée, un jeune homme fort avenant a bondi pour haranguer la foule et s'est mis en devoir de nous montrer qu'il fallait confier le pouvoir aux femmes. Confier le pouvoir aux femmes. Confier le pouvoir aux femmes. Et alors tumultueuse acclamation d'un côté. Tumultueuse acclamation ! Oui, et brouhaha de protestation de l'autre. Ah, mais ceux qui protestaient montraient leur bon sens, parbleu. Oui. Mais en fait, ils se disent que c'est assez formidable, puisque désormais les femmes vont prendre en charge tout ce qui incombait jusque-là aux hommes, et qui vont pouvoir... trompeter du cul en faisant la grasse matinée. Ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est comment ça permet d'inverser les rôles, d'inverser les positions entre hommes et femmes. Pourtant, c'est à vos soins, paraît-il, que la ville est confiée. Pour quoi faire, hein? Pour tisser, pour... Mais non pas, certes, pour gouverner. Gouverner quoi? Toute l'administration de la cité, tout. Archi-tout. Oh, oh les amours! Quel ciel de félicité s'ouvre pour Athènes! Mais comment ça? Comment ça? Alors, fini les escroqueries et les petites magouilles. Ah non, 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 si. Non, non, pas ça si. Parce que qu'est-ce que je vais devenir, moi? Non. Merci. Fini les détournements de fonds. Fini la spéculation. Les abus de biens sociaux. Parachute doré. Suffit. Les pauvres, il n'y en aura plus. Ah, mais c'est grandiose, mais si ça se vérifie, hein. Cette Assemblée des femmes, pour moi, elle va vers une joyeuse réconciliation. Vouloir être un homme, je vaux mieux que ça. Je m'en fous de la barbe, des couilles et de la testostérone. J'ai tout ce qu'il me faut en courage et en agressivité. Bien sûr que je veux tout, comme un homme. Je veux défier la loi, frontalement, pas en biais, pas en m'excusant. Je veux être une femme et je ne veux pas qu'on me fasse taire.